Bonjour, je suis Séverine Louis, je suis garde animatrice pour la réserve naturelle régionale de l'étang de Haute-Jarry et aussi la réserve naturelle des îles d'Hydrac. Mon travail consiste à accueillir le public, les écoles, les groupes de centres de loisirs, le grand public, pour leur faire visiter les deux réserves naturelles et leur faire découvrir le patrimoine naturel, donc la faune, la flore et les milieux naturels. Une fois, lors d'une animation sur les zones humides, nous étions en train d'observer l'étang de Haute-Jarry depuis son observatoire. Ça faisait de longues minutes qu'on était là à observer les oiseaux. Quand on s'est aperçu en fait qu'on avait un oiseau, un bihoreau gris, qui était juste à côté de nous et qui nous observait pendant que nous on regardait l'étang. Ça nous a fait rire parce qu'on s'est sentis dans des rôles inversés. Mon conseil, ce serait de ne pas partir avec une idée précise de ce qu'on va voir ou rencontrer et rester ouvert en fait et curieux. On partage le programme d'animation et les expériences qu'on vit dans les deux réserves naturelles sur le site Naturisère. Récemment, on a partagé un témoignage sur un chantier éco-citoyen de ramassage des déchets qu'on a organisé dans la réserve naturelle des îles d'Hydrac. C'est une action qu'on a reconduite pour la deuxième année et on tenait à partager l'expérience sur ce chantier qui s'est très bien déroulée et qui a permis de réunir une trentaine de participants, deux associations locales qui nous ont prêté main forte, Drac Nature et Les Pensées Sauvages. Et on souhaitait vraiment valoriser à la fois la participation des bénévoles et aussi sensibiliser le public à la problématique des déchets dans la réserve naturelle. J'espère que cette vidéo J'enfile mes bottes vous a plu et vous a donné envie d'enfiler vos bottes justement pour découvrir le patrimoine proche de chez vous et peut-être venir visiter l'une des deux réserves naturelles de la métropole grenobloise. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook avec la page dédiée à la réserve de l'étang de Haute-Jarry et une page aussi dédiée à la réserve des îles d'Hydrac.